Ok, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Akelaïs de retour pour une nouvelle vidéo, on est parti pour l'épisode 2 de Subnautiswag, donc du coup, pour l'épisode 2, oh lol, pour l'épisode 8 naturellement, de Subnautiswag. Attendez, je vais pas avoir le choix que de faire un constructeur dans le sous-marin, j'avais pas envie, d'accord, mais j'aurais pas le choix, il semblerait. Donc du coup, alors attendez. Ça prend quoi le constructeur? Normalement c'est... Hop hop hop, on va éviter s'il te plaît. On ne veut pas casser le submarine, hein. On veut qu'il reste dans un état plus ou moins convenable. Ok, ça va me prendre ça. Et ça, c'est bon. C'est easy à faire, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va construire? J'ai construit ça en me rappelant pas du tout ce que je voulais construire avec. C'est plutôt pas mal. Non, je ne me rappelle pas, décidément. Voyons voir. Ah, c'est bon, ça me revient, ça me revient. Je voulais faire, je sais ce que je voulais faire, je sais, voilà, voilà. Non, ça, ce n'est pas bon du tout. Bah attends, what the fuck. Bah attends, j'ai pas un truc sur moi, là. Bah oui, j'ai une Metal Salvage. Pourquoi tu ne veux pas traiter? Ah, bah voilà. Il faut se calmer, mon petit père, hein. Tu vas arrêter de faire le mafia, hein. Moi, je te le dis, ça ne se passera pas comme ça. Bon, ok, voilà, voyons voir. Ce que j'aurais aimé faire, c'est une beacon, en fait. La beacon va me permettre de retrouver l'endroit. Ou alors, si je peux pas faire une beacon, un autre petit truc qui est vachement utile, qui est vachement swag. Je crois que c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, en fait. La dive reel, c'est plutôt swag, hein. C'est pas magnifique, hein. Mais c'est plutôt swag, mais j'aurais préféré une beacon. Copper wire, tu me dis? Est-ce que j'ai du copper dans... Non, j'ai pas de copper dans le toin-toin. Hein, je... Ah. Je croyais que tu pouvais tromper le duc. Maintenant, tu peux pas. Maintenant, tu l'as dans le huc. Voyons voir. On va se faire du copper wire. On va se faire une beacon. On va placer la beacon. Voyons voir. Donc, la beacon, hein, si vous posez la question, en français, c'est juste une balise de détresse. Je sais, j'essaie de le dire, genre, c'est swag et tout machin, mais en fait, c'est un truc tout à fait classique. Une balise de détresse ou alors une balise tout court dans le cas présent parce que elle voilà, je ne suis pas en détresse naturellement, donc vous comprenez l'idée. Mais on va juste placer la beacon, on va aller récupérer nos ressources et on va revenir s'installer ici en mode YOLO SWAG. Voilà, tu t'appelles B1, ça je n'aime pas du tout en revanche. Je vais te renommer en mode SWAG. Ah putain, c'est vrai. Mon clavier est en coherenti, hein. Swag, s'il te plaît, merci. Voilà. 30 seconds of oxygen remaining. Si tu le dis, naturellement. Alors pour m'installer ici, il va falloir que j'aille récupérer quelque chose de bien particulier avant. Il me faut la faculté de pouvoir créer de l'énergie. Naturellement, c'est la base. Mais avant, j'ai envie d'aller faire un petit quelque chose. Donc du coup, voilà. On a placé Swag. Qui rappelle le respect, bien sûr. Alors attendez, est-ce que je suis mitigé? Vous savez quoi? Non, je vais aller récupérer ce dont j'ai besoin. En fait, c'est une blueprint qu'il me faut, c'est une blueprint pour voir. Pour pouvoir construire un générateur du swag, un générateur qui va me permettre de produire de l'électricité via les sources de chaleur. Malheureusement, je n'ai pas de fucking boussole, donc je ne sais pas où je vais. Putain de merde, où est-ce que j'ai été là? C'est chiant. C'est vachement chiant. Swag est dans mon dos. Théoriquement, si Swag est dans mon dos, c'est une bonne chose. En voyons voir. Ok, Swag est là. D'accord. Donc si Swag est là, en théorie, en partant de Swag, je devrais tourner ici, plonger un peu. Voilà. Continue à tourner un peu, voilà, comme ceci. Pourquoi ça? Je comprends pas. Pourquoi ça plonge comme ça tout d'un coup après? Ah, d'accord. Je commence à comprendre. Je commence à me retrouver un peu. Hein. Je commence à retrouver mes marques un peu. On se souvient qu'il y a le gros poisson électrique pas gentil du tout. Oh merde. Je suis trop profond, en fait. Ok, on est bien là, on est bien.
On va save. Yalla. Ouh, pas mal, elle est nouvelle cette animation. J'ai rien pour me défendre pour l'instant, donc du coup on va essayer d'éviter le poisson électrique. Mon but c'est pas de montrer que je suis swag à 200%, bon sang de bordel de. Je peux vraiment pas aller aussi profond que je désirerais. C'est intéressant tout ça. Bon, voyons voir. Ce que je recherche ici, c'est quelque chose de très simple. Hein. Quelque chose de très très simple. Mais je n'ai pas l'air d'être en mesure de pouvoir le trouver. Alors attendez. Est-ce qu'il peut attaquer le... Je me demande si... Attendez, on va save. Est-ce qu'il peut attaquer mon sous-marin tout court? Ah oui, ah oui. Ah oui, j'ai entendu le bruit. Oui. Putain de merde, mais c'est un sacré poiscaille hein, quand même. Je cherche un plan. Tu veux pas m'aider le jeu, s'il te plaît? Ok, je suis pas très confiant vis-à-vis du fait de rentrer là-dedans. Ok, mon sous-marin est en train de, littéralement, ce qu'ils disent en anglais, sunk. Donc en gros, il est en train de couler. Il a l'air pas content quand même, il a l'air bien vénère ce poisson. Tu fais quoi? Non, parce que t'as l'air quand même assez vénère. J'ai pas trop envie de te faire chier, tu vois, mais genre, j'ai. Voilà quoi. Je veux quand même looter un minimum. Et je veux surtout réparer mon sous-marin. Oh là, oh là! D'accord! Grosse concentration d'anguilles électriques. Hein, mon gars, elle t'apprenne le respect. Hein. Tu veux pas respecter, mais t'es obligé un petit peu quand même. Ah, ok. J'ai pas trop envie de prendre des risques à la con. J'ai pas envie de perdre le petit sous-marin. Ça serait très con. Très très con. Voilà. Ah bah attends, je suis pas uniquement déshydraté. J'ai besoin de bouffer. Hein. C'est la totale. Est-ce que je peux manger ça? Non, je ne peux pas, on dirait. Salut! On se calme! Voilà! Tu as honte! Voilà, il fallait pas tester! Salut encore une fois, salut! Welcome aboard, Captain. Caution. Calorie deficiency. Ok, bon, j'ai pas pu lui faire honte deux fois, mais c'est pas grave! On va dans le gros sous-marin, les amis, on repart à la base. On va aller récupérer ce dont on a besoin pour construire la Swag City. Et puis, théoriquement, ça va donner des choses bien. Ça va donner des choses très très bien. Et du moins, c'est ce que j'escompte. Fortement. Je voulais récupérer le truc pour voir. Pour pouvoir me faire please et naturellement construire le générateur qui fonctionne via la chaleur, mais malheureusement, il ne semblerait pas que j'aurai la chance de pouvoir en trouver le plan. Alors je cherche, mais visuellement, j'ai pas grand chose. Hein. Ok, Swaglang est par là, la base est par là. Où est mon sous-marin? Ah d'accord. Au KLM, au-dessus de ma tête, tout va bien. Allez. C'est dommage qu'on puisse pas piloter ça avec le Saitech X52, ça aurait pu être marrant, qui sait. Je dis ça et en même temps dans ma tête je me dis mais pas du tout frère, mais tu es fou, pourquoi tu veux rajouter un périphérique supplémentaire?
Pourquoi t'as déjà le clavier et la souris à gérer? Pourquoi tu veux rajouter un truc? Ok, bon. Bon, on est parti. Tout court. Tout simplement. Alors, attendez, je vais juste vider mon inventaire. Ça va? Tranquille. Je vais vider mon inventaire, je vais garder les trucs essentiels, je vais manger. Je vais manger. J'ai failli oublier, mais voilà. Et allez, bouffe l'énergie de mon sous-marin, s'il te plaît, merci, voilà, toujours plus, hein, naturellement, j'apprécie. Allez, encore une fois, allez, on s'amuse mutuellement, on s'amuse. Allez, on est potes, c'est fun. C'est fun, tu t'amuses bien, là, c'est bon. Très bien. Mangeons. Buvons. Festoyons, naturellement, tel des vikings. Y a pas, non, y a rien d'autre, très bien. Le gold, je vais le garder sur moi. Le silver, je crois que je m'en bats un peu les couilles. Je vais construire les coffres supplémentaires parce que j'en aurai besoin, naturellement. Oh, pas mal ton animation, pas mal. Coffre, on va arrêter de s'extasier sur de la merde. Ok, bon, j'aurai tous les transferts à faire de ça dans le sous-marin, enfin de la base jusqu'au sous-marin, mais c'est pas grave. Où est la base? Où est la base? Où est la base? Localise-la moi, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Je l'ai. On est parti dans l'obscurité la plus absolue. Et quand je dis la plus absolue, les amis, si vous ne voyez rien, imaginez ce que moi je vois. Par définition, rien. Si vous ne voyez rien, je ne vois rien. C'était de la déduction logique. Bon, on est parti du coup. On est parti. Je vais prendre de l'altitude, si on peut dire ça comme ça. On va perdre en profondeur, voilà. On va plus dire ça dans ce sens-là, donc parce que prendre de l'altitude sous l'eau, c'est pas mal. Mais on va s'abstenir, naturellement. Ouch. Oh merde. Est-ce que je peux passer par là, moi? Oh merde. Ouh là là, ça va être serré. Ouh là 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 là. Est-ce que ça passe? Ouh, ça touche, ça touche. Ah, non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Désolé, désolé. Je voulais pas te faire mal, gros sous-marin. Désolé. Ouh là 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 là. Je suis en train de me coincer sur un îlot, là. Un truc de ouf. Ça ne va pas du tout. Comment je passe ici, du coup? Parce que fatalement, plus je suis proche, mieux c'est pour faire les transferts. Plus je suis loin, plus c'est chiant. Plus il y a de distance à parcourir, plus c'est ennuyant, dirons-nous. J'ai touché quelque chose encore. Je crois que je devrais aller me concentrer sur les réparations. Hein. Il doit y en avoir un petit paquet, quand même. Ouais. Je commence à prendre l'eau, là. Ok. Ok, bon, tout va bien. Je répare un petit peu les avaries. Des avaries qui ont été causées par moi, naturellement. Voyons voir en dessous, parce que c'est principalement le dessous qui a frappé le sol. Tout va bien. Tout a l'air d'aller pour le mieux. Hein. Donc voilà, on va fermer ça. À la surface, arrête de... Voilà. Ok, en passant par là, théoriquement, je pense que je peux atteindre la base. Ah, là, je la vois. Bon, elle bug un petit peu au travers de l'océan, c'est dommage. Mais je la vois. C'est déjà un bon début.
avec le pot fumant. Ok, on y est, c'est bon, tout va bien, terminus. Enfin, quasiment. Quasiment le terminus. On arrête de bouger, voilà. On avance un petit coup. On descend un petit coup. Ah, je ne peux plus reculer. Je suis stuck. Je suis complètement stuck. Ok, bon, on est arrivé à la base. Voyons voir, pourquoi je peux plus reculer? À cause d'un fucking morceau de corail ou... Ok, à cause de rien du tout en fait. Très bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très très important quoi. Ah ben oui, c'est vrai. L'homme qui ne vide pas ses poches avant d'aller faire les échanges. C'est plutôt original. J'ai un coffre qui est plein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Celui-là, je vais prendre parce qu'il faut que je convertisse tous les éléments. On va récupérer ça, voilà. Le jour, est-ce que je comprendrai pourquoi avec une bouteille d'eau il fait le même bruit que s'il mangeait? J'avoue que ça me plaira, hein, parce que là j'ai un peu de mal à comprendre l'idée. Ok, on est parti. Titanium, titanium à dodo, toi-même tu sais, ah, ça fait plaisir. Titanium, titanium, toi-même. Titaniumon. Allez. Bon, ça c'est fait. C'est vrai que maintenant j'ai de quoi faire le. J'ai de quoi faire la construction que je voulais faire à la base. Le computer ship. Il me faut quoi pour faire un computer ship? Il me faut. Ok. Du silver, deux trucs de coraux et du quartz. Le quartz, j'en ai masse ici. Voilà. On va prendre ceci. Attendez, le corail il est où? Ok, j'en avais encore. J'en avais un. C'est pas mal. C'est pas mal de me faire rêver comme ça. Tu me fais rêver pour ensuite me dire non, non, en fait, t'en as qu'un. Tu vas faire avec. Bah non. Ah, attends. Attendez. Le temps d'aller trouver les ressources, c'est toujours la même chose, en fait. Hein. Il faut... C'est pas chiant, mais c'est long. Il faut que je trouve la bonne ressource parce que... Ah putain, j'ai pas de couteau. En fait, j'aurais trouvé la ressource, mais j'aurais pas pu la récupérer au final. Mais j'aurais peut-être pas dû déposer toutes mes affaires. Toutes mes affaires un petit peu trop rapidement. Parce que du coup, c'est un peu con. Ouais. Voyons voir. Je vais aller chercher le couteau. Couteau, s'il te plaît. Ouais, voilà, c'est ce que je cherche. C'est très bien. Ici, on va avoir besoin de gold. Ça, c'est certain. On avait besoin de... Bah, on avait besoin de... Bah, voilà, c'est tout. Hein. J'ai aussi besoin de... Bah, de corail. J'ai besoin de corail. Du corail qui va pas être très difficile à trouver, hein, vu qu'il faut que j'aille à 2 cm. Ah, ok. J'ai ce qu'il me faut, mais on va quand même prendre un peu plus, au cas où. Ne sait-on jamais. On va éviter de risquer de manquer de ressources de façon conne. On va prendre ce qu'il faut, en quantité. Bon, là, c'est un petit peu plus en quantité. Voilà, tu fais attention, Ok. Computer chip, toujours pas? Bah oui, le silver, lol. Voilà. Un computer chip, un. Bon, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce qui manquait d'autre pour construire le fameux truc mûche? Le workbench, alors il faut un wiring kit.
Le voyant un kit, il est pas rangé ici, il va être rangé là. Voilà. J'ai pas le truc pour construire non plus, c'est ça? Oui, c'est ça, je ne l'ai pas. J'ai dû le laisser naturellement. Oh, punaise. J'aurais pas dû déposer mes affaires, en fait. J'aurais juste pas dû déposer mes affaires. C'est juste chiant. Allez, go. Très bien, c'est bon. C'est là. C'est génial. J'aurais besoin... Ouais, ok, le thermal knife. Bon, bah, on va se le faire. Why not? Une batterie, bah j'en ai un petit peu à tirer la rigueur. Oh, toi-même tu sais. Ok, c'est bon, on a un couteau qui chauffe. Ouais, c'est un couteau qui brûle, donc comment vous expliquer? Le couteau va cuire les poissons instantanément. Ça a l'air con, mais ça n'allait pas si tellement que ça. Ah, je peux aussi me faire... Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Je peux aussi me faire un réservoir d'oxygène à haute capacité. Vous savez quoi, je vais... On fonce, hein. On fonce, on se fait plaisir, parce que bon... Je veux pas dire, mais mon petit réservoir en oxygène, là, il était pas terrible, terrible. J'avais un petit peu de mal à en trouver un réel intérêt, naturellement. Alors, attendez. Oups, on va ouvrir ça ici, voilà. On va faire ça. Ah, ça fait bien, ça fait bien, ça fait du bien. J'ai, voilà, j'ai du mal, je rip des mots comme ça. Faire une petite vitre, on va se refaire un nouveau réservoir, on va se faire deux réservoirs, les gars, on va se mettre bien. YOLO. Ok, glace. Le réservoir, il était, non, il était pas ici, il était ici, je pense. Voilà, on se fait un deuxième réservoir, on va se mettre bien, là. Voyons voir. C'est limite du alléluia là. C'est limite du alléluia. J'ai plus d'une minute. J'ai 2 minutes 20 secondes d'oxygène. 2 minutes 25 secondes d'oxygène. Hein, si c'est 165 secondes, c'est ça. Donc voilà. Voyons voir. Et ici, je me fais un ça alors. Les ultra glide fins. Donc il me faut donc des fins, ce que j'ai déjà. Et on va prendre. On va prendre ceci, voilà. Rubber, silicone. On va retirer les palmes que j'ai actuellement. Et on va les améliorer. Voilà, alors, à quoi ça sert, ça? Ça, c'est une bonne question. À quoi ça sert? Bien, tout simplement, je nage vachement plus vite, regardez. Je nage juste vachement plus vite. C'est con, mais... Là, je dois nager à la même vitesse que le Sea Glide me permet d'aller, en fait. Du coup, c'est vachement swag, sans compter que j'ai beaucoup plus d'oxygène. Oh putain, c'est le best là, c'est le best. On se met bien là, c'est la régalade, on se régale. On se régale, on se met bien. En voyons voir. Je pense que j'ai fait tout ce qui m'intéressait actuellement. Je vais récupérer ce qui manque, hein, naturellement. On va aller déposer tout ce qui manque. Tout ce qu'il faut déposer dans tout ce qu'il faut. Hein. Hop là, tu te calmes, s'il te plaît, tu me laisses passer, merci. Du coup, je vais vous faire une petite ellipse, les amis. Je pense pas que ça vous passionne des masses de me voir déposer plein de ressources un peu partout. Donc, du coup, je vais vous éviter la peine que ça va être pour vous de me voir déposer des ressources de partout. Mais je vais le faire quand même. Voilà.
Ok, c'est bon les amis, théoriquement tout a été transféré, tout est bon, tout est bien, qui finit bien. On va juste finir les derniers petits, on va dire, arrangements, hein, qu'il manque, les dernières petites choses. Et les dernières petites choses, naturellement, bah, c'est de récupérer la base elle-même. Donc, déjà, je vais récupérer ça. Ici aussi, hein, on va récupérer tout ça. Ok, je vais récupérer cette machine-là avant. Peux-tu me laisser récupérer la machine, s'il te plaît? Gracias. Ok, je vais récupérer ça aussi. Ça aussi. On va bien vérifier que celui-là... Ok, tout est vidé. J'ai bien les ressources, tout va bien. Oui, tout va bien. On va récupérer ça. On va récupérer ceci, qui m'a permis de construire l'awesomeness. Hein. Merci pour tout le swag que tu m'as donné. Je... Voilà. Toi, il n'y a pas de fragments dedans, non? Non, il y a... Non. Voilà, tout va bien, hein. Là, tout récup. Ceci, voyons voir. Bah, YOLO, hein, j'ai pas vraiment de respect pour ton travail, donc tu comprendras que voilà. Je vais récupérer ça. Parce que ça, je sens que c'est les trucs que je vais oublier, hein, donc... plutôt que de les oublier... On va quand même les récupérer. Les récupérer avant de les oublier. Ok. Au niveau place dans l'inventaire. Bon, ça va encore. C'est pas terrible, mais ça va encore. 10 seconds of oxygen remaining. On va voir. Ouh là 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 là, c'est très très juste. Là, j'ai plus vraiment d'emplacement, donc du coup, on va éviter. C'est pas du sel en bas? Non, c'est pas du sel. En bas, c'était mes déchets. C'est juste mes déchets, donc on va éviter. Voyons voir. Ça, ça va là. Je pense pas qu'il y aura assez d'espace, cependant. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Ça, ça va là. Voilà. Ça, ici, si possible. Non, bien sûr que non. Hein. Voilà. Pas assez d'espace. Ouh là 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 là, je suis très limite hein, niveau espace. Waouh. J'y crois pas, je suis quasiment full de partout. Hein, donc... C'est que dire que voilà, au final, les emplacements que j'avais mis hein, dans l'inventaire, hein, les trucs que j'avais créés pour me dire que bon, allez, ça allait plus ou moins gérer, il y allait avoir plus ou moins suffisamment de place, bah, c'était pas du tout le cas. Ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas grave, on va quand même gérer. On va faire avec. Voyons voir. D'ailleurs, dans toute l'awesomeness, il y a un truc qu'il faudrait que je construise. C'est pas du tout ce que je voulais, d'accord? C'est ça, en fait, voilà. C'est le rebriseur. Rebriseur. En fait, c'est plus écrit bref, breath que breathe, mais c'est pas grave. Voyons voir. Radiation suit. Steel suit. Que la steel suit, ok, elle récupère l'eau. En fait, elle récupère l'eau corporelle. Comment vous expliquer la transpiration, le pipi, etc., etc. Elle traite l'eau et elle vous donne cette eau-là que vous pouvez boire par la suite. C'est en gros de l'eau usagée. Hein. Ici, ça nous intéresse, mais pas tout de suite. D'ailleurs, il faut quoi pour le faire? Ah, oh là 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 là, synthetic fiber. Je ne sais pas du tout comment ça se fait. Il nous faut ceci, hein, donc il faut du magnétite et j'en passe. Ici, ils font un computer chip seulement. Donc oui, j'ai quand même quelques petites choses à faire. Quelques petites choses bien utiles, d'ailleurs. On va quand même bien se le mettre en tête. Advanced wiring kit. Ah, ben voilà, le laser cutter, c'est ça. Il faut du diamant, il faut une batterie. Ça va, c'est easy à faire, quand même. Oui. J'ai pas fini, effectivement. Je n'ai pas fini
Et là, je n'ai même pas récupéré mon couteau. D'ailleurs, je n'ai même pas déposé le titanium en trou. Ça va. Ok, ça c'est fait. Ça c'est pris. Bientôt, il n'y aura plus aucun signe de mon passage ici, en fait. Je me demande si je laisse des vestiges. Bon, en fin de compte, faut que les vestiges sont déconnés. Voilà! Tout est pris, j'ai laissé mon empreinte. Un truc qui ressemble à je ne sais pas quoi. On a une espèce de forme d'hamburger, c'est assez comique, mais bon. Dans tous les cas, les amis, je me souviens que cet épisode vous aura plu, on va s'arrêter là. Pour le prochain épisode, je vais me rendre, bah déjà, à l'endroit où est-ce que je devais me rendre. Et on va continuer, on va s'installer, on va se mettre bien, on va partir dans le swag même de la chose, toi-même tu sais, l'ami. Et bah du coup, j'espère que tu seras présent pour cet épisode, j'espère que vous serez présent pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un like si cet épisode vous a plu, à commenter, à me dire quoi que ce soit en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir, d'accord, j'ai bugué comme il faut. Ça me fera énormément plaisir, les amis, de pouvoir répondre à vos commentaires, naturellement. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir le reste des épisodes, parce que le meilleur moyen d'être au courant qu'un épisode est sorti, c'est encore d'être abonné, naturellement. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien d'ici là, les amis, et ciao ciao. Et je save, comme une tapette à la fin, non, mais en même temps c'est pas vraiment une attitude de tapette, je suis obligé de save parce que sinon, voilà quoi, vous savez, la progression elle est perdue. On s'en bat les couilles, je raconte ma vie. Ciao ciao.